Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve comme tous les dimanches à 9h45 pétante pour une toute nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui les petits potes, je vous présente Smash Legend. Mais tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton petit commentaire pour me dire si tu connaissais ou pas et si tu aimes ou pas, hein. Et n'hésite pas à t'abonner pour pas louper non seulement les prochaines vidéos découvertes, mais en plus de ça, les prochaines vidéos sur Smash Legend. Ok, on est parti, let's go. Donc les petits potes, nous voilà sur Smash Legend. Bienvenue, je t'attendais. Commence par te déplacer en faisant glisser la manette à l'aide de ton pouce gauche. Ok, bon là en vrai c'est du classique, hein. On va faire le tuto. Allez, bien maintenant, allons plus haut. Ok, ok, donc là il y a un bouton sauter. Parfait. Donc déjà il y a de la hauteur, ça c'est cool. Bien joué. Ah bah, encore heureux. Allons, point de domination là-bas. Ouais, let's go. Point de domination. Super, tu as réussi à la récupérer. Lorsque le point de domination devient bleu, nanana, on a perdu le point. Ok, d'accord. Donc là en gros il y a un ennemi, il faut que j'aille le taper. Il y a du son en 3D, ça c'est cool. Et après on recapture le point. Ok, pas mal. Appuie sur le bouton compétence pour attaquer les ennemis avec plus de force. La compétence se recharge automatiquement avec le temps. Vas-y, fais voir ça. Ok, pas mal. Bon, en vrai, le tuto, j'aimerais bien le passer vite. Allez, ça, j'ai mis que ça, ça va être un ultime, voilà, un ulti. Let's go, bravo, tu as vaincu l'entraînement. Accède au point de domination et récupère la zone. Alors là... Ah, super, tu gères. Ah, la fougère. Ah bah, bien sûr, tu es très bien. J'ai hâte de poursuivre nos aventures avec toi. Moi aussi, j'ai hâte. Ok, entrez votre pseudo. Ah bon, on va s'appeler Psytrag. Psytrag propre, my friend. Non, Psytrag. YT. Ah, c'est bon. Ok. Termine une partie d'entraînement pour déverrouiller l'intégralité du jeu. Donc, du coup, on va devoir faire une game avec des bots, je pense, pour débloquer l'entièreté du reste du jeu. Et donc, du coup, c'est un match de domination. Récupère le point de domination. Ça a commencé du classique. Ok, let's go. Allez, on les fracasse, hein. Je cherche même pas à comprendre. Allez, pour l'instant, on a le point. La jauge qui se remplit au-dessus. Allez, faut qu'on les éjecte. Faut pas qu'ils rentrent dans la zone. Let's go, on l'a capturé une fois. Faut qu'on le capture quatre fois, j'ai l'impression. Allez, l'ulti. Ok, ça les a complètement éjectés. Ah, mais attendez, je peux aussi sauter. Ah, c'est-à-dire qu'on peut esquiver comme ça les ennemis. Hey. Non, j'ai pas eu tombé. Ok, l'ulti. J'en ai dégagé un. Et on a deux fois la zone là. Il nous la faut une troisième fois. Ok. Plus que 500 d'HP. Ok, ça meurt. Allez. Troisième fois la zone. Non. Faut pas qu'on tombe. Non. Allez, on revient. Oulala, il m'a envoyé du en lui. Il y a une popo là-bas, je vais la ramasser. Let's go, ça me donne de la vie. Non. Allez, faut que je revienne. Je suis là de retour. Allez, l'ulti. C'est bon, on a récupéré le point. Ah non, ils ont repris le point. Allez. Ah, c'est bon. Là, cette fois-ci, on le lâche pas. Allez. Let's go, mature. Let's go. Et donc, du coup, on la win. MVP. Safe try. Bon, en vrai, c'était une game de bot, hein, donc... Ok, c'est cool. J'aime bien l'aspect visuel du jeu. Très clairement, j'aime bien. Ok, donc là, du coup, on est sur l'interface. Donc là, il va y avoir... Ok, les statistiques. Total d'échec, victoire consécutive. Ok, donc la game que j'ai fait, elle comptait pas. Légende, donc ça va être les cartes. Et emoji. Il y a un ensemble d'emojis à débloquer. Légende. Donc ça, du coup, c'est toutes les légendes, toutes les cartes à débloquer. Enfin, je sais pas si on appelle ça des cartes. Non, on va appeler ça des légendes, hein, tout simplement. Des légendes. Ok, Kaiser. Ah, il est trop bizarre, lui, par contre. Lui, par contre, il est vraiment bizarre. Rouge. Ok. Crochet. Crochet qui est vraiment stylé. Alice. Elle est toute choupie. Maître chat. Maître chat qui est stylé également. Et Ravi. Et du coup, Ravi, c'est une mythique. Et du coup, il m'oblige à aller commencer une game. Donc, on va laisser la faire. Ok, donc là, je suis tout seul. On a trouvé des joueurs, parfait. Est-ce que ça va être une nouvelle map? C'est une nouvelle map. Allez, c'est parti. Smash! Allez, on rentre dans le tas. C'est bon, on a capturé le point. Non. Ah, j'ai pas visé. Allez, dis-moi qu'on l'a, s'il te plaît. Allez, plus de 2%. Let's go. On a gagné un point. C'est de pas trop aller au contact. Attention. Non.
Ah parfait, c'est bon, on a pas perdu le point, on a deux. On va aller chercher le troisième point. Je suis très très low, je vais essayer d'aller prendre de l'énergie en haut. Okay. Ah non, je suis mort. Bon, allez, je ressuscite dans une seconde, let's go. Et du coup, on a win, 4-0. Ok, c'est cool. Du coup, j'ai même pas eu le temps de prendre le jump, mais bon. Ok, donc du coup, le MVP, c'est Link. Ok, donc du coup, on a gagné combien de... On a gagné 8. Ok, donc c'est du plus 8. Là, j'ai l'impression qu'il y a des missions également, ok. Il y a une route des trophées là-haut. Ok, donc ça, c'est une route des trophées. Pour le moment, je vais pas l'ouvrir, sauf s'il m'oblige vraiment, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. J'aimerais bien les garder pour en faire un pack opening, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on va pas l'ouvrir. Ok. J'imagine que là, si j'ouvre une caisse, je vais forcément avoir une nouvelle carte, donc j'ai pas envie. On va repartir en game en espérant tomber non seulement sur une nouvelle map, mais en plus, sur des trucs super cool. Let's go! Ok, donc là, on a très clairement les trois mêmes personnages. Ok. Donc c'est-à-dire que vous pourrez potentiellement jouer avec vos mates avec les mêmes cartes. Pourquoi pas. Allez. Allez, ça se match. Encore une fois, ça se match. Là, cette fois-ci, nos points, ils sont à droite. Ça, c'est cool. Bon, on sera toujours en bleu. Il n'y aura pas d'équipe rouge une fois, équipe bleue. Ça sera on sera toujours, nous, l'équipe bleue, en tout cas, en tant que joueur. L'équipe adverse, équipe rouge. Allez, on va utiliser l'ulti pour le dégager. On va même également profiter pour dégager celui-ci. Allez, ça se match. Let's go. 2-0. Allez, on les empêche de venir. On revient sur le milieu. Allez, 3-0. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cet item? C'est une bombe. Ok, il y a tout un... Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des items qui seront à utiliser. Ça, c'est plutôt intéressant. Non, je me suis fait ce match. Ah, allez, il y a 3-0 pour le moment. Allez, faut qu'on recapture le point. Allez, j'utilise mon ulti. Ah, je suis en 2v1. Attention. C'est bon, mon coéquipier est arrivé. Allez, ça se match. Si tout se passe bien, on fait un 4-1. Ok, 4-1. Ouh. Ok, donc pour l'instant, ça m'a l'air d'être relativement simple, je pense, parce que c'est le début. Mais je pense qu'il y en a qui doivent bien tryhard, tu vois. J'ai pas regardé s'il y avait un classement. On va regarder s'il y a un classement qui se propose à moi. Ah! Bah là du coup il y a plus de choses qui se proposent à moi. Et ça c'est plutôt intéressant. Il y a une boutique, il y a des événements. Ok, donc il y a des récompenses hebdomadaires tous les jours, les petites pièces, ça fait plaisir. Des ressources. Donc au bout de 16 jours on aura 10 diamants. Alors je sais pas comment on appelle ça, moi je vais appeler ça des diamants. Sauf si j'ai... voilà le terme exact. Au niveau des boutiques du coup, bah là du coup on a tout ce qui va être box. Ok, donc c'est à dire qu'on peut également des pièces de puzzle. Donc c'est à dire qu'on peut améliorer et qu'on doit améliorer nos personnages. Les diamants donc du coup c'est des ressources. Ok, donc ça en vrai c'est du classique. Caisse d'événements, donc là ça veut dire que là du coup j'ai des récompenses d'événements. Ok, c'est plutôt cool. Ok, et donc on peut créer un code de groupe. Donc c'est-à-dire que si je fais un live, j'ai créé un code de groupe, vous pouvez me rejoindre et je peux envoyer une invitation. Ok, et ignorer l'invitation au groupe. Ah ça c'est bien, ils ont pensé ça dès le début, c'est-à-dire que si je fais un live, vous pourrez pas me spammer, je vous vois tous déjà venir. Et il y a l'onglet social. Ok, donc l'onglet social, ça c'est mon hashtag, n'hésitez pas à m'ajouter. Mon hashtag c'est 7A13ZUUAP. On sait jamais s'il y en a qui jouent ou pas. N'hésitez pas à m'ajouter parce que ce jeu est à surveiller de très très près. Comme certains jeux que j'ai présentés, il est à surveiller de très très près. Du coup, au niveau des personnages, il y a des skins. Donc comme vous pouvez le voir ici, au niveau des apparences, il y a des skins. Pirate, Tenace Peter. Ok. Donc il y a également aussi une route des trophées pour chaque personnage. Donc en plus d'avoir une route des trophées globale, vous en avez une par personnage. Donc ça du coup, ça va vous faire jouer avec tous les personnages. Bon les petits potes, j'espère que cette petite vidéo découverte de Smash Legend vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sincèrement. C'est très important. Et bien sûr, on se donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Smash Legend. Et bien sûr, vue découverte. Oui, parce que les vidéos découvertes, c'est tout aussi très important. Tu le sais très bien, bien sûr. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça, c'était Psytrag. Bye bye.